D'accord. Merci beaucoup. Pour qu'ils soient pas quitter ça, il a signé là. Lloyd Greg. L O Y D. Mon point. Vous voulez faire quoi y arriver? Pas pour tout le temps. À qui est-ce que vous avez? Ces gens, c'est fort, vraiment. Je vous souhaite
beaucoup de succès dans cette noble entreprise dont je suis l'une des grandes bénéficiaires. Monsieur. Distingués invités, mes chers amis, pénétrer la profondeur de la pensée de Dieu est né à partir du souci que j'ai éprouvé d'apporter ma contribution à l'œuvre gigantesque qu'est la propagation de l'Évangile et de gagner des âmes pour le Seigneur. Celui n'a nullement la prétention de rivaliser avec les monographiques classiques tels que Joseph Reser, Paul Winter ou Pierre Benoît. Sa passion doit être considérée comme une petite pierre dans la contribution du grand édifice dont notre Sauveur Jésus-Christ est l'architecte principal. Cette étude, certes, m'a pris du temps et a demandé beaucoup d'énergie. Mais au final, je dois vous exprimer ma satisfaction par rapport au fait que le Seigneur m'a permis d'interpréter sa parole et de mettre à la disposition du lectorat mes analyses et mes connaissances pour le triomphe de son évangile. Dieu nous aime, mes frères et sœurs. Et malgré nos écarts et nos errements, il est toujours prêt à nous pardonner. Il ne peut pas nous laisser tomber. Il suffit d'un petit geste de confession et de repentance de notre part pour qu'il vole à notre secours. D'aucuns doivent s'interroger sur le titre de l'ouvrage. Non. Quand on sait que dans son amour insondable, Dieu fait grâce à qui il veut et qu'il absout le coupable qu'il désigne. De là, prétendre pénétrer la profondeur de la pensée paraît présomptueux. Toutefois, de sa grâce infinie, il nous donne le pouvoir de discerner afin de mieux connaître et faire sa volonté. Afin de faciliter la tâche aux intéressés, j'ai conçu un cahier de suppléments pédagogiques qui va de pair avec le livre, de manière à permettre au lecteur de bien auto-évaluer ses connaissances après chaque chapitre. Pour mieux vous mettre dans l'ambiance de ce livre, qui, je l'espère, va faire partie de vos livres de chevet. Je vois qu'il se fait tard, mais quand même, peut-être que nous aurons un peu de temps pour signer quelques livres. Merci de votre présence.